Salut à tous et à toutes. Alors, je souhaite. Est-ce que t'as vu le titre du. T'as vu le titre du live ou pas? La Non, hijra est obligatoire. non, ça c'est la bannière. Le Coran n'est ni créé ni annulé et Allah pardonne tous les péchés. C'est ça? Non, ça c'est la bannière défilante. Le titre du live il est en haut. Tu peux le voir normalement ce streamer. Islamophobe. Live avec un islamophobe, islamophobe. Oui, au final, voilà, tu t'intéresses à l'islam énormément, donc tu es un islamophobe, islamophile, notoire, spécialiste en fiqh islamique et en chouba C'est une bonne description. et en fitna. Voilà. Bon, salut à tous, à toutes. Je suis vraiment un taré. J'ai hésité. En plus, j'y réfléchis même pas, c'est comme ça, c'est instantané, c'est révélé, voilà, c'est révélé par Allah, tout ça, ça me vient direct. Bon, Vivi, si tu as envie de monter avec nous, tu peux, si tu veux. Enfin, t'es pas obligé de parler, mais tu me dis, je t'envoie un mail. Bon, ok, on y va. Première vidéo qu'on veut vous présenter, c'est Cheikh Al-Azhar. Cheikh Al-Azhar. Ah, c'est la crème de la crème. Ah bah oui, c'est le top du top. La cerise sur le gâteau. On y va. L'université d'Al-Azhar, c'est l'une des universités islamiques les plus influentes du monde et au cours de l'histoire, en fait. Encore aujourd'hui, ils sont super influents. Tout à fait. Allez, on y va. This is a warning. Peggy 18. كتاب متن الإقناع. On va faire un peu de traduction pour les non-anglophones. Donc, est-ce que tu veux que je traduise ou tu veux le faire? Attends 2 secondes, je vais enlever Vas-y, la bannière traduis. parce qu'elle cache, les sous-titres pour les gens. 2 secondes, juste le temps que j'enlève la bannière. En tout cas, voilà, c'est bon. Là, c'est bon, vous pouvez voir. Et juste, je monte un peu la qualité de l'image. Putain, c'est 480p, c'est faible. Ah non. Là, c'est mieux. Ah, c'est là, on remet. Allez, on y va. في حل ألفاظ أبي شجاع. Donc, le livre, c'est quoi? C'est Al-Iqna fi hal al-faz de Abi Shuja. OK. الفرقة أو الصف الثالث الثانوي في الأزهر الشريف باب الطهارة يقول صفحة 72 يجوز لس Donc, donc alors, As Muslim, attends, il faut que je récapitule depuis le début. Donc, Cheikh Al-Azhar, donc, un Cheikh de l'université d'Al-Azhar, en Égypte, voilà, il dit quoi à la troisième année, à une classe de troisième année? في الأزهر الشريف. D'étudiants, donc d'étudiants là-bas, pas troisième année primaire, vous inquiétez pas non plus, on n'en est pas là, mais. Bac plus 3. voilà, bon, on va dire un bac plus 3 en islamologie, voilà. باب الطهارة يقول صفحة 72 Bab Tahara, c'est le chapitre sur la purification en islam. يجوز الاستنجاء بالتوراة والإنجيل لأن Donc, en parlant de la purification en islam, Bab Tahara, il a dit Yajuz, donc ça passe, donc il est autorisé de s'essuyer les fesses, voilà, de se. Nettoyer les fesses, voilà, avec des pages de la Torah et du gospel. Et de Et du l'évangile. gospel, n'importe quoi. Voilà. J'arrive pas à dire l'évangile. Voilà, L'évangile. exactement. Donc le Donc, mec, il te sort que vas-y. tu peux mettre de la merde sur la Bible. Ils apprennent ça à l'école de l'islam, la plus grande école islamique du monde. Ils apprennent qu'en fait, tu peux torcher le cul avec la Bible, littéralement. Exactement, exact. Après, il dit nous, mais on est frères, les gens du livre. Il y a pas. Est-ce que ton frère t'irait te torcher d'un frère que tu aimes, bien sûr. Est-ce que t'irais tout ces livres? Je pense pas. Et là, on parle de livres religieux en plus. On n'est pas en train de parler pour un croyant son livre saint et ce qu'il a de plus cher. Voilà. Donc là, il se torche les fesses. Avec des livres saints, même s'ils sont corrompus et tout, quand même. Donc il n'y a ni un respect envers les livres, ni un respect envers les croyants, alors qu'ils sont censés être tous des frères, non? Des frères, en bon, genre Et livre. Voilà. en plus, La là, kutub muharraf. on est dans le cadre de la théologie spéculative, encore une fois. C'est C'est-à-dire que, ça. bien évidemment,
personne ne va se dire, ah bah tiens, chapitre, comment faire tes ablutions, ah bah on sait jamais, si j'ai une Bible de côté, je peux me torcher le cul avec. Non. Donc s'il dit ça, c'est souvent, d'ailleurs, pour moi, il faudrait en faire un live entier là-dessus, le fait spéculatif, c'est souvent aussi une manière un petit peu de d'extérioriser des choses souvent très perverses, souvent très fantasme, de l'ordre du fantasme, quoi. Donc le gars il te dit possiblement si un jour t'as rien, tu sais pas, tu peux pas te nettoyer, que t'as une Bible qui traîne, voilà, c'est vraiment un cas voilà absurde. Et ben tu peux prendre les feuilles de la Bible pour te laver, bien évidemment. Hein. C'est pas pour me foutre de la gueule des chrétiens. Hein. Dis ça juste pour vous dire comment faire les ablutions. Hein. C'est au cas où, voilà, où ils te disent au cas où un jour, si t'as faim et qu'il y a un apostat qui est là, tu peux le manger. Oui. Au cas où. C'est halal, tu vois. C'est des trucs absurdes. Mais c'est intéressant de le savoir. On sait jamais. Voilà. Ah oui. L'islam est censé répondre à toutes les questions. Voilà. Oui, mais c'est des questions qui sont absurdes et qui en disent long, en fait, sur plus, ils répondent plus sur la personne qui est, ils donnent plus d'infos sur la personne qui te donne ce cours que sur la situation elle-même, quoi. Et c'est juste, ça te donne le fond de sa pensée, qu'est-ce qu'il pense, en fait, de prendre des apostats ou de la Bible. Voilà. C'est juste pour couler la Bible, en fait. Le gars, en fait, il s'est dit, putain, le chapitre des ablutions, c'est chiant, quoi. Voilà, tu te laves comme ça, tu fais pas ça, tu fais ça. Voilà. Il fallait rendre ça un peu intéressant et dire, ah, si tu veux prendre la Bible. Voilà. Là, c'est intéressant, mec. Ah oui, donc j'ai le droit, ok. Là, tu vois, ça capsule un peu l'esprit. Voilà, voilà. Bon, on continue. You can clean your ass with pages of the Torah and the Injil. You can use the pages of the Holy Bible as toilet paper because the words inside our holy scriptures are corrupted. Attends, on arrête là. Donc, je vais vous lire en arabe. Amma ghayr al-muhtarim, quelle philosophie, wa Torah, wa l'Injil. Alama, ce genre d'arbre, je ne sais pas très bien. Tabdilihima, Tabdilihima, wa khuluhima, an isma mu'adam, fal yajouz al istinja'u bihi. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Donc, j'imagine qu'il devait parler d'autres ouvrages avant, et après il dit Amma, Amma real mortaram, donc ce qui n'est pas respectable dans les ouvrages, comme la felsafa, donc les philosophies. J'aime bien, ils mettent la philosophie au même rang que les écrits religieux d'autres religions, justement. Au Torah, donc la Torah, ou l'Inji, donc l'Évangile. Donc, Alima tabdilima wa khuluhima an isman mu'adam, fal yajouz al istinja ou bi. Donc, on a le droit de l'utiliser pour. Voilà. Les nettoyages, les ablutions, etc. Okay. And unholy for the Muslims. And the proof from this infamous book called Al-Iqna' fi Hal Al-Faz Abi Shuja, volume 1, written by Al-Sheikh Shamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Al-Sharbini, on pages 154 to 155. I will provide the download link for this book and the website Islam Web in the description box, where the imams and shuyukh teach Muslims to clean their butts with pages of the Torah and the Injil. This is very crystal clear language. My dear brothers and sisters in Christ, if you claim to be a proud Christian, then you should be very disgusted and angry about what you just saw and heard. How the imams of Al-Azhar in Egypt teach their student imams from these filthy fiqh books. This is why we have to expose this evil cult of Satan and these scholars who teach Muslims to rip the pages of our Holy Bible apart and use them as toilet paper. Thanks for watching. Voilà. Alors, en fait, lui, c'est Rob Christian, c'est un critique, je ne sais pas si c'est un apostat, il me semble que c'est un... Si, il me semble que c'est... Si, en tout cas, il est arabophone, mais je vous recommande sa chaîne au passage. Et d'ailleurs, il donne le lien pour ceux qui veulent la référence. C'est l'une de ses dernières vidéos.
Et donc, il explique qu'en tant que chrétien, tout chrétien devrait être outré qu'au sein d'une académie, on apprenne à te torcher le cul avec le livre saint des chrétiens, quoi, tout simplement. Et ça devrait rendre furieux tout chrétien qui a un minimum d'orgueil. Et ça interjette en fait le débat récurrent en France sur le blasphème. Les musulmans souvent se disent outrés, ils se présentent justement comme des gens respectueux des livres sacrés dont ils sont les héritiers, comme la Bible. Et ben, on voit ici que c'est non seulement pas le cas, mais que entre eux, quand ils sont en masse, ils ne respectent pas du tout la Bible, au point de blasphémer de manière automatique dans leur cursus de grand cher. J'aime bien, tu vois, des fois je fais ça sur de longs trucs, de longues vidéos. Je mets le curseur avant même de commencer la vidéo et je vois là où il y a les pics de visionnage. Apparemment, il y a un pic ici vers 7 minutes 33 et un deuxième pic ici, c'est le moment le plus visionné de la vidéo, vers 1 minute 16. Donc, si jamais vraiment. Je connaissais pas cette fonction. Voilà. Tu me l'apprends là. Donc, si jamais vraiment on s'emmerde, à un moment donné, j'irai directement à 1h16.05. Voilà, vas-y, encore. Vas-y, mets direct au premier pic là, derrière. On peut passer l'intro, c'est souvent chiant les vas-y. Intros. Alors, c'est une vidéo doucement Timéra. Le sujet, c'est la place de la Sunna par rapport au Coran. Oui. Deux secondes, des fois j'ai un problème d'internet. Des fois il y a des bugs. Surtout quand on m'envoie plein de messages là partout dans les réseaux. Ah c'est bon. Et moi on l'a enfui, il est en face de nous. On discute avec lui, on prendra tout ce qu'il dit. On ne dira pas non, écoute, c'est quoi le sanad? Non, tout ce qu'il dit, je le bois. Parce que j'ai confiance en lui. Pourtant, c'est lui qui va me dire, oui, mais attention, moi, je suis qu'un être humain. Donc, quand la révélation, c'est ça, la base. Et moi, ma source, c'est le Coran. Donc, quelquefois, si je te dis quelque chose que tu ne comprends pas, pose-moi des questions. Et c'est ce que les compagnons faisaient. Les épouses du prophète faisaient ça. Le prophète dit, alayhi salam, il dit, Aïcha. Il dit à Aïcha que celui qui sera jugé, si on fait les comptes de quelqu'un en jugement dernier, on l'a châtié, il est châtié. Il dit ça. Man husiba faqad uzib. Si on cherche, fait les comptes de tes actions, t'es fini. Et Aïcha l'interrompt, disant, ya Rasulallah, mais Dieu ne dit-il pas? Il ne dit-il pas que celui qui rentre au paradis, fasa ou fayuhasab ou haysab ben yassira, lui, on fera ses comptes de manière facile. C'est que ce sera simple pour lui, il passera. Il retournera auprès des siens tout heureux. Donc, qu'est-ce qu'Aïcha, elle fait ici? Et là, le prophète qui parle, ici, il n'y a pas un intermédiaire, c'est directement. Elle entend le prophète. Le prophète dit quelque chose, ça sent bon, selon elle. À son niveau, elle dit, c'est contradictoire avec ce que j'ai lu dans le Coran. Donc elle oppose ou pourtant elle dit, elle met en exergue le Coran, elle le compare à la Sunna. Et si elle voit qu'il n'y a pas de concordance, elle pose des questions. Et le prophète dit non, c'est pas ça. Ça c'est quand les choses, quand on parle ici de l'ard, c'est-à-dire quand vous voyez, quand vous êtes devant une douane, vous présentez vos affaires vite fait comme ça. Ça passe sous le portique et tout, vous passez. Et c'est ça en fait. Là, on a juste mis en évidence les actions, on passe vite fait. Par contre, quand le douanier décide de fouiller, là, c'est chaud. Surtout si vous cachez des trucs à droite à gauche. Là, c'est trop fort, moi, j'en ai marre. Voilà, donc c'est intéressant. Donc, il y a un hadith où Aïcha. Attends, deux secondes. Allah, c'est un douanier, c'est toi. Je retiens que ça. Oh, le Allah, pic, là. L'algorithme, il a bien fait, il est respecté. Hein. Tu comprends le pic de visionnage. Ouais, je comprends. Allah, le douanier, c'est excellent, ça, j'y attendais pas. Vas-y. Ah, mais faut expliquer quand même aux gens.
Donc il y a un hadith qui dit que voilà, quand on va mettre tes actions sur la balance, ça va être une épreuve pour toi. Ça va être difficile. Tu vas souffrir. Tu vois, d'ailleurs, il y a plein de hadiths qui le disent, que même les croyants vont souffrir. Et Aïcha, elle lui rétorque un verset qui dit justement que les comptes seront faciles pour les bons musulmans. Et la réponse du prophète, elle est à cette contradiction flagrante entre le livre de Dieu et sa parole. Elle est que, en fait, Dieu, il parle juste d'un premier checkpoint. Il parle pas du décompte vraiment. En gros, il dit non, mais en fait, tu pourras passer le premier checkpoint ou le second, mais c'est juste une petite étape, mais c'est pas le vrai décompte. Même si dans le verset, c'est marqué que là, c'est pas marqué premier, deuxième ou petit, grand, marqué décompte. Donc, d'où l'absurdité. Alors, après, deuxième chose à dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait pas si elle a vraiment dit Aïcha ça. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais souvent, j'ai remarqué, en fait, les hadiths, ils peuvent être des véritables témoignages ou des témoignages du temps de leur invention. C'est-à-dire, on peut mettre dans la bouche d'Aïcha des pensées que les gens ont. C'est-à-dire, quand quelqu'un a remarqué une contradiction, bah d'ailleurs souvent, par exemple, on va la mettre dans la bouche d'un sahaba. Et en fait, et c'est souvent, d'ailleurs, souvent dans Aïcha, c'est un personnage qui contient beaucoup de tensions à ce niveau. Souvent, c'est Aïcha qui critique le prophète ouvertement, qui dit non, mais ça, c'est pas vrai. Par exemple, le fameux hadith où Aïcha, elle dit oui, qu'est-ce qui annule la prière? T'as la femme, le chien et l'âne. C'est ça. Et elle dit, donc, justement, elle se plaint, elle dit donc, vous nous comparez à un chien, c'est ça? Vous comparez les femmes aux chiens? Voilà, c'est voilà. Un problème, elle répond directement au hadith. Elle dit le prophète. Et du coup, ça, et toi, t'es en train de supposer que ça devait être une objection tardive à laquelle il a fallu répondre, c'est ça? Parce que des femmes, elles sont plaintes de ce hadith-là, en disant ça. Oui, et que quelque part, pour le répondre, on a utilisé un prête-nom, ce qu'on appelle un prête-nom. Donc, on a utilisé le personnage de Aïcha pour répondre à ces femmes qui se plaignaient de ce hadith, justement. Oui, c'est ça. Mais on ne sait pas, de toute manière personne ne saura, mais il y a des hadiths en fait qui parlent d'événements qui n'ont pas eu lieu. C'est une certitude que des hadiths ont été créés dans cette optique. On n'a pas la science de l'inconnu, on ne peut pas savoir si c'est vrai, mais c'est de l'ordre de la possibilité. Vas-y, tu peux poursuivre. En fait, vas-y, je continue. Bah vas-y, quand tu commences dire, à enlever, là ça va durer longtemps, et c'est le châtiment. Donc le prophète a fait une distinction, il a indiqué que le mot hisab, le fait de compter, en fait, reprenait plusieurs choses. Et que l'une des choses ici dont on parle dans cette sourate-là, c'est juste le passage rapide. Par contre, quand on commence à chercher et à peser chaque détail, là on est châtié. Mais ce qui est intéressant dans le propos, c'est l'attitude de Aïcha. Ça, c'est dans Bukhari Muslim. Hein. Ce n'est pas des hadiths inventés. C'est dans les corpus. Mais il y en a pléthore d'exemples comme ça. Où le prophète dit quelque chose et les compagnons lui posent la question par rapport à un passage du Coran qu'ils auraient compris ou mal compris. Et le prophète l'explique. Donc, le fait de dire qu'un hadith doit être comparé au Coran pour juger et jauger sa véracité, ce n'est pas une invention. C'est quelque chose qui existait depuis les compagnons. Un autre exemple. Et là, après, on pourra discuter de ce qu'on entend par la sunna. Ou deux exemples. À un moment, le prophète, une femme, je crois que c'est Fatima bint Qais, dit à Omar une chose qui concerne le divorce. Pas rentrer dans les détails. Dit... Attendez deux secondes, vraiment, parce que là je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le faire, deux secondes. Alors, voilà, deux secondes. Je ne sais pas pourquoi je m'attarde sur ça spécifiquement aujourd'hui, mais des fois j'ai des... Expression, on va dire, voilà.
divine, peut-être. Peut-être que je suis le nouveau prophète. Non, non, vraiment. Non, là, je sais pas, le truc de la douane, ça m'a un peu marqué, quoi. Bon. En gros, comment je vois les choses, moi, personnellement. Donc, il y a la réservation, c'est quoi? Ça se passe sur Terre. OK? Donc, nous, par exemple, si on se convertit à l'islam, quelque part, on est en train de réserver notre billet pour le paradis. Voilà. Donc, on réserve le billet, tranquille, on va à l'agence. On réserve le billet. On peut le réserver. Tu sais qu'il y a des gens qui peuvent devenir musulmans juste avant leur mort. C'est comme les gens qui peuvent réserver leur billet juste avant le vol. C'est quoi la limite pour prendre un vol, Yanis? Enfin, pour acheter un billet avant le vol. Je sais pas. Donc, tu as des gens qui, on est d'accord, qui peuvent acheter juste avant le départ. Qui peuvent acheter genre oui, il y a des dernières minutes. Donc, il y a des conversions à l'islam de dernière minute. Ça existe, hein, aussi. Ouais. Voilà, donc c'est un peu la même chose. Et là, il y a l'enregistrement des bagages. Là, c'est l'enregistrement des Hassanet, tu vois, qui commence à être... Ah là, les bagages, c'est les bagages de Hassan. Tu vas pas emmener avec toi tes vêtements et ta richesse au paradis. Ah, ça sert à rien. C'est les bagages, c'est les Hassanet. Donc là, c'est les anges qui commencent à enregistrer les Hassanet, tu vois. Parce qu'il y a des anges qui notent les bonnes actions et les mauvaises actions. Donc, ils commencent comme ça à enregistrer dans les carnets divins pour commencer à comptabiliser. Voilà. Donc là, tu te rends au comptoir, voilà, c'est comme un aéroport, tu montres ton billet d'avion, ton certificat d'islamité, voilà, les anges ils vont montrer que tu t'es bien converti. Ensuite, ils vont peser. C'est là où c'est pesé. On pèse un peu tes bagages, on va peser tes hassanet. Voilà, à la douane. Après, voilà. Donc ça, c'est à l'embarquement. Ensuite, tu as le contrôle de la douane et c'est là où va se trouver le contrôle. Allah, donc du coup, il va commencer à comptabiliser. Alors, on va contrôler ton billet, t'es bien musulman, ok, c'est vrai, t'as fait le shahada, tel jour, telle heure, tel endroit. Il y avait tel témoin, ok, ça passe. Maintenant, on va vérifier. Et après, t'as le contrôle de sécurité. Et c'est là où ça va être difficile, les frères et les sœurs. Écoutez-moi, les frères et les sœurs. L'Ikhwan ou l'Akhawat. Là, le contrôle de sécurité d'Allah, c'est pas comme le contrôle de la douane. Tu passes pas facilement. Là, tu vas crever. Là, tu vas souffrir. Ils vont bien te fouiller. Allah, il va te scanner de A à Z. Le moindre atome de foi, le moindre atome de bienfait, il passera. Mais le moindre atome de méfait, donc de CIS, Allah, ça passe pas. Allah, tu seras dans la merde. Donc, si jamais le scanner divin, il repère en toi, hein, dans ce qu'on a répertorié de mal, de ce que tu as pu faire par les anges, la moindre atome, la moindre fraction de mal, voilà, de mauvaise chose, mauvaise action, de mauvaise parole, par exemple, et bien là, ça ne passe pas. Ah, là, ça ne passe pas et tu ne pourras pas embarquer dans l'avion. Eh oui. Donc, faites attention, les frères. Quand vous êtes dans l'aéroport divin, il faut avoir tout en règle. Tout en règle. Et après, si jamais tout se passe bien, il n'y a pas de souci, vous prenez l'avion qui vous amènera direct au paradis et rejoindre les vôtres. Voilà. Ouais, bon, il manque l'étape où Allah va se présenter aux gens avec une forme monstrueuse. Dieu protège nous. Et puis il va changer de forme, il va arriver vers une autre forme. Ils vont encore faire une invocation jusqu'à arriver sous la bonne forme. Il y a encore plein d'épisodes. Il manque l'épisode où il passe sur le pont avec les crochets. Il manque, c'est vraiment c'est le parc Astérix. Il faudrait mettre tout à bout avec une frise chronologique la fin du monde d'après les musulmans. C'est quand même incroyable. Tu vois, tu as Dieu qui se présente sous une forme monstrueuse, hein, on peut le dire. Il manque le moment où il va montrer sa jambe. Il manque le moment où l'enfer va arriver comme. Un genre de monstre à quatre pattes qui voudra bouffer toute l'humanité en un coup et le prophète va le choper par le museau et toute l'humanité aura peur. Il y a plein de... C'est tellement d'histoires, voilà. Mais en tout cas, ce hadith, pour moi en tout cas, il vient surtout contredire le Coran. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, le Coran il te dit un truc, il te dit que les comptes ils seront faciles pour les justes et le hadith te dit « Non, c'est pas tout à fait ça en fait, c'est juste le check-in ». C'est juste quand tu rentres tes bagages, ça sera facile. Mais après, ça sera difficile. Alors, continue. Donc,
On y va. Juste une chose. Je salue Amara dans les commentaires qui dit que Azul se cherche. Apparemment, il a été démonétisé d'Al-Azhar. et c'est un gars qui balance beaucoup de chubouhats sur les émissions. Si t'as envie de monter, monte. Hein, si t'as des choses à nous dire sur ce cher, moi je le connais pas spécialement. Si tu veux monter, monte. Hein. Voilà, exprime-toi dans les commentaires si tu veux monter, on te mettra le lien. On continue. On trouve qu'elle avait pas droit à une pension. Le prophète lui avait pas donné. Alors que le Coran dit que. Une femme divorcée a le droit à une pension. Donc, c'est une compagnon, une femme compagnon, qui, une compagne, qui dit que j'ai entendu le prophète. Donc, c'est direct. Il n'y a pas Bukhari et Muslim ici. C'est j'ai entendu. Omar dit quoi. Mais non. Il rejette le hadith. Il dit quoi. Je ne laisserai pas, nous n'allons pas laisser le livre de notre Seigneur, Kitab Rabbina, au Sunnat Nabiyina et la Sunna de notre prophète, pour le hadith d'une femme dont on ne sait pas si elle a menti ou elle a oublié. Elle a peut-être fait une erreur. Je ne vais pas laisser ce que j'ai clairement dans le Coran, ce que j'ai vu le prophète faire, pour un propos que tu as entendu, on ne sait pas d'où tu sors ton histoire. Il a rejeté le hadith. Aïcha, elle entend Abdullah ibn Omar, qui raconte le hadith suivant en disant que le prophète aurait dit aux gens qui sont enterrés à Badr, c'est-à-dire les ennemis qui ont été tués à Badr, à la bataille de Badr, il leur parle. Et en leur parlant, Omar dit, Ya Rasulallah, ils ne t'entendent pas. Attends, mais va pause deux secondes. Cette histoire, de manière, la deuxième et la troisième n'est pas très intéressante. Mais l'histoire de la pension, là, pour le coup, j'en suis sûr. D'ailleurs, ce que je disais, le fait qu'il y a des problèmes, il y a des débats entre savants qui ont mené lieu à des inventions de hadith, c'est pas moi qui l'invente. Hein. C'est les véritables savants, c'est-à-dire des académiciens, des islamologues. Et justement, au sujet de ce hadith sur la pension, il y a un vrai débat, en fait, entre les musulmans, entre les savants de l'époque, sur qu'est-ce qui est... En cas de divorce, qu'est-ce que tu dois verser? Est-ce que tu dois verser un an de subsistance? Est-ce que tu dois offrir juste le logement? Est-ce que tu dois donner une certaine somme d'argent? Et donc, il y a toujours eu ce débat. Et c'est tellement vrai que au sein même de la législation marocaine, un jour, on avait lu un petit peu la Moudawana. C'est-à-dire le code familial, et il y a eu une évolution. Avant, il n'y avait pas de pension, en fait, avant pour la femme divorcée. Ils en ont rajouté une et ils ont précisé le verset. Ils ont dit conformément au verset du Coran. Donc, même cette tension, en fait, sur pension ou pas pension, il y a toujours eu débat. Même encore aujourd'hui, j'en suis sûr que ça, c'est un hadith inventé. Pour le coup, pour répondre à ce débat, pour te dire Omar, si Omar n'a pas vu de pension dans le Coran, c'est que ton hadith il est faux. Parce qu'il y en a des chers qui l'ont vu. Donc là, c'est pour mettre les mots, tes mots en fait, dans la bouche d'un sahaba. Et le prophète aurait dit que si ils m'entendent bien plus que vous, ils entendent ce que je dis. Aïcha intervient en disant non, le prophète n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que le Coran dit clairement, tu ne peux pas faire entendre le mort, ni celui qui se trouve dans les tombes. Donc le prophète ne pouvait pas dire ça. Tu t'as trompé, tu as fait une erreur. Un autre hadith, où Abu Huraira cette fois-ci dit que celui qui meurt, le défunt, et les pleurs des siens. Quelqu'un meurt, il y a des gens qui pleurent, il est châtié dans la tombe. Oui, c'est très connu, ça. Bah, Aïcha dit non, c'est pas possible. Le prophète n'a pas pu dire ça. Pourquoi Aïcha? Elle dit parce que le Coran qui a été révélé sur le prophète dit voilà, tazilu azilatu wazila ukhra. Personne ne portera le fardeau d'autrui. Donc on ne va pas châtier quelqu'un. Et ce hadith, il est justement critiqué. T'as vu, on met toujours Aïcha comme petite canaille qui vient, qui vient répondre, tu vois.
On lui donne un peu le rôle de petite chippie, en fait, hein, de petite c'est casseuse. Ça, Aïcha, elle vient gêner, en fait. La Sunna vient dire, ouais, mais dans le Coran, dit ça, ouais, mais le prophète, je l'ai vu, il faisait pas. En gros, soit Aïcha, elle-même, elle incarne celle qui va. Parce que faut comprendre un truc. Par exemple, si c'est Abu Huraira qui va parler de ce qui annule la prière par rapport à l'âne, par rapport au chien, par rapport à la femme. Ben, elle va être celle qui va contrecarrer un peu les paroles d'Abu Huraira ou d'autres compagnons. Donc, elle va être soit la rapporteuse qui va contrecarrer la parole d'autres rapporteurs. Donc, elle, de par ses hadiths à elle, que, enfin, comment dire, non, c'est pas un hadith, parce que les rapports, c'est un peu de hadith nawabawi, donc hadith prophétique. Mais on va dire que sa parole à elle va casser la fitna entre les compagnons, parce qu'ils ne sont pas oubliés, c'est que les femmes du prophète font partie des compagnons. Ce n'est pas parce qu'il y a des femmes qu'elles ne sont pas des sahabas. Donc, du coup, on les appellera les sahabettes en arabe, ou sahabiyettes plutôt. Mais bon, et ce qui va se passer, c'est que là, tu as raison, Aïcha, c'est un peu la chipie qui vient casser la notion de consensus. À cause de Aïcha, on ne peut pas dire avec consensus des compagnons, parce que justement, elle n'était pas d'accord avec eux. Donc, du coup, elle casse le consensus, Aïcha. C'est vraiment la merde. Mais justement, c'est parce qu'en fait, il y a comment dire, il y a. Ah, je vais l'appeler Aïcha, la destructrice de consensus. J'appelle Aïcha la petite chippie, la petite canaille. Mais justement, ce rôle qu'on lui donne, en fait, je pense, il vient aussi de l'histoire, parce qu'en fait, pour le coup, ça a été une vraie canaille. Elle a vraiment foutu le bordel. Elle a quand même levé une armée contre un calife, en fait, et contre l'un des meilleurs califes. Elle a quand même levé une armée. Et deuxième truc, c'est que Aïcha, ce qu'elle a fait, c'est que ce hadith-là, ce hadith des pleurs qui châtient les bords, c'est un hadith authentique, en fait. C'est un hadith authentique qui, justement, tu vas trouver des gens qui vont le défendre et tu vas trouver des gens qui vont le critiquer. Donc, encore une fois, on a divergence, on a une tension. Et on a des sahabas qui viennent prendre parti. Alors encore une fois, est-ce qu'ils ont vraiment pris parti ou est-ce que c'est juste on met dans leur bouche les débats du moment. C'est ça. Alors on a avec nous Chonks Le Roux et Siko. Donc l'un après l'autre, Chonks Le Roux, Siko, je démute vos micros. J'arrive. Bon, vas-y Siko, salut à toi. Ouais, salut frère, comment ça va? Tranquille, ça va. Ça va et toi? Ça va. Ouais, moi je suis d'origine algérienne aussi, j'habite au Canada, tu vois, j'ai 30 ans. Ok. Tu vois, moi c'est comme à très jeune âge, tu vois, là j'ai 17 ans déjà, il y avait comme une voix à l'intérieur qui me disait est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu ce livre-là, tu vois, qu'on nous endoctrine avec, tu vois. Mais à l'époque, en fait, j'avais pas les éléments, en fait, ou les connaissances nécessaires pour pouvoir arriver à une conclusion. Donc, étant donné que le texte était un peu complexe pour moi, j'en déduisais que ça pouvait seulement être une œuvre divine et non humaine, de parlant de l'endoctrinement. Mais par la suite, à force de faire des recherches, j'ai utilisé ma propre pensée critique, surtout en tombant sur des versets qui disent que ce livre n'a aucune contradiction et aucune tortuosité, tu vois, que c'est alors qu'il y a des débats sans arrêt. Ça, c'est juste ça, c'est la preuve que c'est pas une œuvre divine, que c'est une œuvre humaine, tu vois, et que ce Dieu-là n'est pas parfait du tout, tu vois. Donc c'est là qu'ensuite que tout a chamboulé. Donc personnellement, je pense que toute c'est une énorme escroquerie, et c'est de l'enfantillage, tu vois. C'est comme on nous traite comme des gamins dans ce genre de secte-là, bah, surtout cette secte-là. Et puis moi, je me dis, on vient dans ce monde et on est condamné à suivre des histoires dont on sait même pas si c'est vrai. Puis le prophète, on sait même pas s'il a existé, tu vois. Ça pourrait être un personnage fictif. On a aucune preuve qu'il a existé, tu vois. Ça peut être une histoire, et puis on nous manipule avec ça depuis des générations. Alors voilà. Bah, merci pour ton témoignage. Vas-y. Moi, j'ai eu un parcours similaire. Mais je pense que c'est un parcours. Voilà, je pense que beaucoup d'apostats ont ce parcours-là en particulier. C'est-à-dire, toute ta vie, tu mets ça de côté. Tu te dis, non, je ne suis pas apte à juger les textes. Qui suis-je, moi? Je suis jeune. Tu es jeune. Tu voilà, es un enfant, tu n'as pas le choix. Tu es un ado, tu dis encore, je suis jeune, tu ne connais pas. Et donc, tu remets ça toujours ça plus tard. Et un beau jour, tu te dis, non, bon, maintenant, on va aller au bout de ces choses.
tous ces questionnements, ces interrogations que j'ai eues, là, cette fois-ci, je vais pas juste remettre à plus tard. Et aujourd'hui, non, maintenant, il va falloir savoir, quoi. C'est quoi cette histoire d'abrogation? C'est quoi cette histoire de Coran qui dit qu'il se contredit pas, mais alors qu'en fait, il se contredit? Alors, tu vois, dans ce dont ça parlait. Et à un moment donné, tu prends le taureau par les cornes, le taureau par les cornes, et tu te rends compte qu'en fait, par toi-même, que non seulement tu avais les capacités de juger de manière seule, mais que c'est surtout du bullshit, en fait. Et que C'est tu es ça. resté dans Vas-y. cette. Dans cette, dans cette T'es resté muté pas devant la entre guillemets complexité du livre, mais il n'y a pas besoin de connaître grand-chose hein, pour sortir de l'islam. Chacun a son Vas-y, livre. surtout, héros. Vas-y, dis-nous ta théorie. Ah, bonsoir, bonsoir, vous m'entendez? Oui, salut à toi. Oui. Ouais, je suis avec mon téléphone parce qu'avec mon ordi, je peux pas trop parler. Waouh, ça fait trop bizarre de parler. Eh, franchement, allez, en 4 mois, je crois, j'ai dû voir la vidéo de toutes vos vidéos, je les ai toutes écoutées. Et je vous adore, vous êtes trop fort, franchement. Bon, moi j'avais déjà, j'aime pas ce terme apostasier, mais bon, ça faisait longtemps déjà que j'avais quitté l'islam à la base, même sans vos vidéos déjà et tout, ça, surtout avec les vidéos de Majid, qui m'avait vraiment conforté dans ça. Et du coup, voilà, bah, j'essaie parfois, moi, je sais que, et je sais que c'est pas facile, j'essaie de débattre avec les musulmans, parfois, sans leur dire, entre guillemets, que j'ai quitté l'islam, mais je leur dis que j'ai des doutes, par rapport au Coran, voilà, pour essayer comment dire, d'essayer de mettre une graine dans leur esprit, pour leur faire comprendre que les religions, c'est de la merde. Enfin, sauf, si Dieu l'a voulu comme ça, mais bon, après, Dieu fait ce qu'il veut. Alors moi, personnellement, je suis croyant en Dieu. Je crois en Dieu, mais je crois pas en les hommes. C'est-à-dire que tant que Dieu ne descend pas pour me dire, il faut que tu m'adores, il faut ceci, il faut cela, moi, je veux pas d'intermédiaire. Donc, si je mourrais et que je serais face à Dieu, en tout cas pour moi, bah, je lui dirais, tu fais ce que tu veux de moi, tu es le Tout-Puissant, fin de l'histoire. Et donc, ce que je dis, ce que je pose comme question aux musulmans, et c'est une question intéressante, et je sais que ça les fait souvent, très souvent réfléchir, ça les énerve, mais je sais qu'au fond, ça joue beaucoup. Je leur dis, admettons que votre religion soit la bonne. Sur les, vous m'entendez? Oui, on t'écoute. Allô? On Ouais, t'écoute, hein. Oui, admettons on que. t'écoute. D'accord. Admettons que votre religion soit la bonne et que, bon, par chance, vous accédez au paradis, etc., etc., etc. Et que au paradis, vous y êtes pendant 1 milliard d'années, si on peut donner un nombre d'années sur l'éternité. Qui vous dit que Dieu ne peut pas vous choisir comme ça d'un coup, de vous mettre en enfer, sans raison apparente? Il vient, il dit, bah, vous allez en enfer. Et je leur pose la question, je leur dis, est-ce que, à votre avis, Dieu peut faire ça? Et généralement, les musulmans. Qui sont très croyants, ça les énerve parce que soit ils répondent oui, et dans un sens, ça les gêne dans la religion, et au fond d'eux-mêmes, je suis sûr qu'ils doivent se dire, ah ouais, c'est vrai que dans un sens, il a raison. Parce qu'en vrai, que je crois ou pas, bah en fait, Dieu, il fait ce qu'il veut, et si je suis au paradis, bah, il peut m'envoyer en enfer. Soit il ne peut pas le faire, et c'est mettre Dieu au défi. Je ne sais pas si vous voyez ma théorie ou pas. Allô? Oui, bien sûr, on voit ce Est-ce que que... vous voyez, c'est soit vous mettez au défi. Alors moi, c'est pour leur faire comprendre aux gens, les religions, c'est de la merde de toute façon. S'il y a un Dieu tout-puissant et que il est le maître de tout, que vous allez au paradis, en enfer, là où il voulait, quelle que soit la religion que vous suivez, il vous mettra là où il veut. Donc vos religions, vous pouvez vous les fourrer là où vous savez. Voilà, c'était ma théorie pour embêter les musulmans. Et je sais que les musulmans, il y a beaucoup de musulmans avec qui j'ai discuté, avec qui j'en reparle, et ça les embête énormément. C'est très, quand ils me disent, j'aurais pas dû parler avec toi parce que ce que tu dis, c'est énervant, c'est frustrant. Et je pense que c'est une réflexion après qu'il faut pousser, hein. Moi, je suis pas un habitué à parler sur les micros, tout ça et tout ça. Mais quand je parle aux musulmans, je sais que ça a un gros impact. Et c'est une forme de façon, bah, voilà, de leur faire comprendre qu'en vrai, la Regarde, religion, bon, ce que tu voilà. dis, ce que tu appelles ta théorie, alors je vais te rajouter, Siko. Oui, Alors, ce que vas-y. tu appelles ta théorie,
Ça, en islam, ben ça existe déjà en islam. Donc du coup, je te confirme oui. que tu as raison de penser. Il y a ce qu'on appelle la aqida, c'est ce qu'on appelle en français le dogme. Oui. Donc il y a plusieurs dogmes en islam, ou on va dire courants de dogmes. Par exemple, il y a l'ash'arisme, oui, oui. le mu'tazilisme, le matrudisme et l'atharisme. Oui. Dans le sunnisme, après même chez les chiites, ils ont l'imama, enfin le duodécima, les zaïdites oui. et tout. Bon. Nous, pour ce qui nous intéresse, on va parler des ash'arites. Et les ash'arites, oui. dans leur vision de Dieu, dans la manière de concevoir le divin, ils te disent quoi? Ils te disent, Dieu, il peut tout faire. Il est tout puissant. Donc, s'il le veut, il peut même envoyer des enfants en enfer. Il peut même envoyer Exactement. Des prophètes en enfer. Exactement. Il peut Exactement. Envoyer des tyrans, des tarés au paradis. De toute façon, il fait ce qu'il Exactement. Veut. Et en plus, Dieu n'est pas tenu, selon eux, d'être juste et bon selon nos critères à nous. Par exemple, eux, regarde ce qu'ils vont te dire. Après, j'ai posté les sources demain ou un autre jour. Ils vont te dire, si Dieu envoie un enfant en enfer, il n'est pas injuste. Il est juste. Ouais, non, mais ça, c'est complètement débile. C'est pas que, si en tu fait... comprends un peu... ouais, j'ai bien dire. Compris, ça, mais en fait... Pour eux, Dieu est juste quoi qu'il fasse. Attends, juste... Bah, c'est ça, en fait. C'est qu'en fait, la notion... Oui, pardon. Bah, en fait, pour Dieu, la notion ouais. de justice, entre guillemets, n'existe pas, en fait. Pour lui, la justice n'a pas de... En fait, pas pour de... vous, la justice n'a pas de normes. N'a pas de normes, en fait. Exactement, Dieu, voilà. Quoi qu'il fasse, est oui. juste. C'est-à-dire que la notion de Dieu n'a pas de définition. Exactement. Il pourrait envoyer un enfant. C'est juste qu'on veut faire un enfant qu'au paradis. En gros, voilà, c'était. Voilà. Mais c'est intéressant que. Parce que c'est exactement ce que j'aurais répondu en tant que musulman. C'est que j'aurais répondu. Oui, pardon. J'aurais répondu, mais Dieu s'interdit l'injustice. Donc, il ne va pas t'envoyer en enfer. Mais effectivement... C'est exactement la réponse que j'entends souvent. Exactement. Mais au bout d'un moment, ces mêmes musulmans qui disent... Oui, pardon, vas-y. Non, vas-y. Oui, non, je te disais... Et, justement, au bout d'un moment, certains musulmans à qui j'ai parlé viennent et discutent, aiment discuter de religion, tout ça avec moi. Bon, après, je ne vais pas sur les extrémistes et tout. Mais ils me le disent, que ça les dérange, que c'est un truc qui entre guillemets, voilà, eux, ils font confiance à Dieu, mais ils ont quand même ce constat-là de se dire, c'est vrai que, bah, faut être honnête, en tout cas pour ceux qui sont objectifs et honnêtes, hein, je fais pas la majorité de ceux à qui j'ai parlé, j'ai dû en parler à une dizaine, mais je sais qu'il y en a qui sont venus et qui me disent que ça ébranle clairement leur foi, entre guillemets, que ça les dérange, mais qui vont quand même continuer à être musulmans et tout ça, parce que, voilà, ils ont peur de l'enfer, etc., etc., mais qui se rendent compte que c'est vrai, que Dieu, en fait, il existe, hein, on va dire ça comme ça. Il fait ce qu'il veut, en fait, et la notion de justice, en fait, comme il disait... j'oublie vos noms, mais... comme il disait... Régulus. Ijala, c'est ça Régulus, pardon. Ouais. En fait, la notion de justice, bah, pour Dieu, en tout cas, celle des hommes, bah, elle n'a pas vraiment de place, en fait. Il fait ce qu'il veut. Oui, il fait ce qu'il veut, c'est ça. En fait, le niveau 1, c'est Dieu est juste, il ne peut pas faire d'injustice, mais le niveau 2, avec les acharites, et ce n'est pas le cas des mu'tazilites, parce qu'eux, ils pensent qu'il y a une justice absolue qui ne peut pas être changée, c'est de dire que Dieu, en fait, il peut te faire du feu qui te gèle, il peut transformer Exactement. Le mal en bien, il peut transformer le bien Exactement. En mal. Exactement. Et c'est lui qui définit qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui est bien. Et justement, c'est Exactement. Intéressant parce qu'il y a un fait en particulier qui où c'est exactement ce qui s'est passé, c'est le mariage temporaire. Le mariage temporaire, c'était d'après les sunnites eux-mêmes, d'après un verset du Coran qui, personnellement, ne dit pas vraiment ça, mais bon, c'est d'après eux, qui t'encouragerait à prendre des femmes dans ce cadre de la prostitution. Et ensuite, ça a été interdit. Donc, un truc qui était halal, qui te rapprochait de Dieu, Exactement. Parce que pour rappeler que tout rapport sexuel te rapproche d'Allah, donc tout ce que tu fais dans les règles, ça te fait perdre des montagnes de prêchés d'après un hadith authentique. Et donc tu pratiques cette prostitution à ce moment-là, ouais. Et ben, tu fais le bien, tu reçois des hassanettes, et après c'est abrogé, ça y est, tu es un fornicateur, ouais. Et tu vas aller en enfer et tu seras châtié en tant que tel en un jour, hein. En un jour, ça a changé. C'est pas fini. Parce que le mariage temporaire, il a été abrogé deux fois. Il était autorisé, interdit, autorisé à nouveau, interdit à nouveau. Donc ça veut dire deux fois, tu forniques,
t'es récompensé, ensuite le lendemain tu forniques, t'es puni, le surlendemain t'es récompensé à nouveau, et sur surlendemain t'es encore puni. C'est vrai que c'est un peu incohérent. C'est non, des mais histoires ouais, qui sont farfelues. Et c'est pour ça que, en tout cas, si tu crois en ces histoires, t'es obligé de croire que la morale, elle est totalement relative. C'est-à-dire, Dieu, le bien et le mal, voilà, c'est si Dieu demain il a décidé que dégorger des bébés c'était bien, et ben c'est ça le bien. Après demain, il change d'avis, dit non, finalement, voilà, c'est pas bien, et ben voilà. Donc c'est à cause de ce genre d'histoire absurde qui, au final, ces histoires, pour moi, personnellement, en particulier pour un mariage temporaire, ce qui est d'ailleurs la seule chose qui a été abrogée deux fois, pour moi, c'est juste les musulmans, ils sont retrouvés un petit peu devant deux hadiths d'abrogation, et bien souvent ils ont une science du hadith qui vise à ne jamais remettre en cause un hadith dans la mesure du possible, et toujours trouver un scénario pour valider les deux hadiths authentiques. Donc bah voilà, pour valider ces deux hadiths authentiques, et bah, ils ont dit qu'ils sont tous les deux vrais, et bah, le mariage temporaire il a été abrogé deux fois, voilà. C'est la solution qu'ils ont trouvée. Et on a la même chose avec une sourate, je sais plus c'est laquelle, où t'as deux fois, où elle est descendue deux fois. Donc bah, ils ont dit elle est descendue deux fois, c'est comme ça. Ça n'a aucun sens, c'est-à-dire que les gens ils la connaissaient, mais elle est quand même descendue une deuxième fois. Tout simplement parce qu'on a deux hadiths où elle descend à deux endroits différents. Donc il dit je sais plus c'est quelle sourate, peut-être même que c'est Fatiha, mais je sais plus. Voilà. Mais bon, bref, elle est descendue deux fois. Donc c'est clair, c'est très incohérent tout ça. Et même ça, c'est l'absurdité de la science du hadith contradictoire. C'est tu cherches à prix à les mettre d'accord. Non, j'ai pas dit mariage temporaire. Je parle d'une autre histoire. Je dis, il y a une autre histoire. Une autre histoire, et je suis sûr et certain, il y a une sourate qui est descendue deux fois. T'as deux hadiths qui te disent qu'elle est descendue à deux moments différents. Donc ils ont dit qu'elle est descendue deux fois. C'est catastrophique, ça. Oui, bah oui. Non, mais c'est comme le mariage temporaire, c'est absurde. Un truc interdit, autorisé, c'est n'importe quoi. Ça a été interdit par Omar, c'est ça le truc en fait. C'est qu'ils sont mêlés de. Omar, il s'est mêlé de ce que le prophète a autorisé. Enfin, il n'aurait pas dû faire ça, c'est ça le problème. Non, mais après, sur ça, clairement, de toute façon, je pense qu'on le sait tous ici, c'est que c'est plein d'incohérences. Et oui, je parlais à un moment dans le chat, j'avais vu un documentaire, peut-être qu'il y en a qui le connaissent, mais sur Arte, qui était passé sur les hadiths, justement. Et de toute façon, dès le début de la vidéo, il y a un chercheur, ou je ne sais plus quoi, qui disait qu'il commençait par sa vidéo en disant sur les hadiths qu'il y en avait à peu près plus de 50 000 qui étaient faux. Donc, et il parlait de la période des califats et tout ça, hein? Ah, il y en a plus, certainement. Ouais, il y en a même plus que ça. J'ai vérifié, Régulus, c'est bien Sourate Al-Fatiha qui a été révélée deux fois. Vous pouvez tous vérifier sur Google, vous tapez Sourate Revealed Two Times, ou en français Sourate Révélée deux fois, et vous trouverez la Fatiha. Ça n'a aucun sens. Excuse-moi. Ouais, non, pas de souci. Ouais, du coup, c'était un documentaire super intéressant. Après, je l'avais vu il y a longtemps, et ça, c'est vrai que déjà, ça m'avait fait cogiter quand ça parlait de hadith. Je me suis dit, mais clairement, et c'était ça un peu le documentaire. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais genre, il parlait que clairement, les hadiths, ils avançaient en fonction de la temporalité, des intérêts des califes à chaque fois, en fonction des conquêtes, de ci, de ça. Il y avait toujours un nouveau hadith qui réapparaissait, tout ça, et qu'il y avait même des chaînes de transmission qui paraissaient vraies, tout ça, mais bon, c'était totalement, totalement inventé pour le pouvoir, quoi. Et comme toujours, hein, de toute façon, toutes les religions, et notamment celle de l'islam, je pense que comment on peut se souvenir de phrases de bouche à oreille entre il y a 1400 ans et aujourd'hui, quand on sait bien que, et souvent vous le dites tous, la Régulus, tout ça, quand vous en parlez, le téléphone arabe, on sait bien comment ça fonctionne. Franchement, quand quelqu'un dit quelque chose à une autre, même en étant sincère et honnête, à la fin, on sait bien que la phrase ou l'information, elle est plus du tout la même, elle est tronquée, dans le sens où même si les gens sont honnêtes ou ce qu'on veut, dans une conversation, on a toujours du mal à répéter exactement la même chose, déjà, même sur le ton,
même sur le ton, sur l'intonation, sur, je sais pas, sur l'intérêt aussi, parce que des fois, il y a des gens qui vont avoir un intérêt, et juste à cause de ça, inconsciemment, ils vont tout. Et là, on parle d'un truc sur 3 jours. Bah alors, 1400 ans. 1400 ans, il a dit ça. Non, merci. Donc voilà, c'était juste, voilà, je ne vais pas vous déranger plus longtemps que ça, mais en tout cas, c'était ma première apparition comme ça, je pensais que ça n'allait pas fonctionner, mais voilà. Mais en tout cas, vraiment, j'ai regardé de Koufar FM, de tout, et je regarde vos vidéos, mais je m'endors même avec. Franchement, vous êtes trop forts, vous me faites trop rire. Et vous êtes les meilleurs, continuez comme ça. En tout cas, si je peux vous donner de la force au maximum pour que vous continuez dans ça, bah franchement, continuez, et bravo en tout cas. On te remercie. Merci pour ces mots d'encouragement. Je vais pas rester merci sur beaucoup, le truc beaucoup. Longtemps. Mais... Bon, je suis pas un habitué, hein, moi, des trucs comme ça et tout, c'est pas mon genre. Donc, c'était juste là, je voulais faire part. Il y a une première à tout. Hein. Tu pouvais m'en dire. Ouais, on peut dire ça comme ça. Par contre, si tu changes de pseudo, tu nous préviens que c'était toi, Chonk, la dernière fois, parce que non, moi, je vais pas retenir tout le monde. Ouais, Chonk, je mettrais... Il y a beaucoup de gens qui changent de pseudo, après, ils disent Régulus, tu l'as pas reconnu. Désolé, je... Ouais, non, et franchement, non. Retenir, Régulus, et franchement... J'aime pas ta voix, tiens. La prochaine fois, t'auras le film. Franchement, en vrai, enfin, tu sais, comme vous êtes toujours 2 ou 3 à parler en même temps, du coup, je fais pas attention, Régulus, Soleil, tout ça, je fais pas trop attention, juste je mets, et comme, tu sais, vous avez toujours des vidéos statiques, moi, je regarde pas la télé, tu vois, je suis en train de faire autre chose, ou je dors, ou voilà, et du coup, je fais pas trop attention, non, tout ça, juste, je mets lecture, et voilà, mais franchement, je vous connais tous, et franchement, ce que vous dites, c'est très, très fort, et franchement, j'adore ça. Donc voilà, comme je disais. Et du coup, je vous souhaite bonne soirée, bonne continuation. Peut-être qu'un jour, si jamais, voilà, je réapparaîtrai. Mais après, j'ai pas autant de connaissances que vous. Franchement, vous êtes vraiment chaud. Donc voilà. Bonne soirée à vous. Ciao, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Salut. Salut à tous. Salut. Siko, tu veux dire autre chose? Tu veux rajouter des trucs? Oui. Ça coupe un peu. Je pense que tu m'entendais bien. Ah, on t'entend mieux là. Ouais. Ce que je disais, ce que j'aimerais rajouter, c'est que, en fait, quand tu compares toutes les religions, en fait, que ce soit l'islam, le judaïsme, en fait, moi, de ce que j'ai pu voir, ça fait environ 10 ans que je suis là-dessus, là, que je fouille là-dessus, là. En fait, ça remonte tous, je ne sais pas si vous êtes au courant, là, de le culte de Saturne, en fait. Si vous voyez, par exemple, la Mecque, tout ce qui est cube noir, tu vois, même chez les Juifs. Il y en a qui mettent un cube noir sur leur front, tu vois. Et c'est tout lié, en fait, à cette... c'est, en fait, des élites, en fait, de sang, en fait. Ils ont qui ont inventé ce système pour contrôler les peuples. Et c'est pour ça qu'on retrouve, en fait, les mêmes idées à travers les différentes religions, surtout c'est les monothéistes, en fait. On appelle ça, dans le jargon, ceux qui connaissent, le culte de Saturne. Alors, tu vois, les musulmans, lorsqu'ils vont à la Mecque, en fait, ils tournent autour, tu vois, ça, en fait, c'est des rites, en fait, sataniques, mais ils sont pas au courant qu'ils font ça, en fait. C'est ça le truc qui est incroyable. Et je sais pas si un peu, il y en a qui connaissent un peu le sujet. Non, honnêtement, non, pas le culte de Saturne, je connais pas. Honnêtement. Ça dit rien? Non. Pas que la Mecque a des origines païennes, oui. Ça je le savais. Ça, on sait. Le rapport avec Saturne, non, je n'étais pas au courant moi non plus. Après, il y a une logique à ce que tu dis, dans le sens où tourner autour de quelque chose, ça rappelle un peu l'astrologie. Les astres, le mouvement des astres. C'est exactement les satellites qui tournent autour de leur planète et la planète qui tourne autour de leur étoile. Donc ça, pour le coup, oui, ça a du sens dans cette perspective-là. Déjà, vous savez, lorsque les musulmans égorgent des moutons, c'est une pratique qui est satanique, qu'on le veuille ou non, vous savez. On est tous jeunes, tu vois, on voit. Moi, je me rappelle quand j'avais 8-9 ans, tu vois, on amenait le mouton à la maison, on devenait potes, tu vois. Après ça, on le massacre de quelques jours après, tu vois, c'est abominable. Ça, c'est terrible, ça. C'est quand t'es enfant, moi, j'ai un souvenir. Pas de cœur, je te crois pas. Non, comment ça, j'ai pas de cœur, j'allais dire l'inverse. Moi aussi, j'ai sympathisé comme c'est quoi avec un animal. Pour le coup, c'était un lapin. On m'avait pas prévu quoi, qu'ils allaient l'égorger. Donc moi, je le caresse, tout ça. 2 minutes après, je vois mon père l'attraper et lui passer un couteau sous la gorge. Tu vois. Il est découpé. Quoi. Et plus tard, un jour, je mange comme ça.
Et mon frère, il me dit, et tu te rappelles de ton lapin là que t'aimais bien? Et je lui dis, ouais. Il me dit, bah là, il est dans ta bouche. Oh non. Ah, il était violent. Non, mais après, juste pour en revenir à ce que tu disais, c'est cool. Juste pour revenir à ce que tu disais, ce coup, bah après, c'est toujours un peu compliqué de définir ce que c'est que le satanisme, tu vois. C'est déjà une notion qui est déjà trop connotée. C'est-à-dire qu'il y a des satanistes qui vont te dire le satanisme, c'est être libre, être bien avec les gens, etc. Il y en a, ils vont te dire, bah c'est la Bible, tu vois. Il y en a, ils vont te dire, donc c'est un genre de tu vois, un genre de presque de. D'entité, il y a des chrétiens qui vont voir Satan comme une genre d'entité opposée à Dieu qui a presque autant de pouvoir, tu vois, qui fait un pari avec Dieu. Mais t'as même une image connue où t'as Dieu et Satan qui font un bras de fer. T'as les musulmans qui, un peu pareil, hein, Dieu qui fait un pari, mais ça reste Dieu le chef. Il fait un pari avec une de ses créatures pour s'amuser un peu. Donc voilà, le satanisme, je sais pas. C'est un peu pour croire que quelque chose est sataniste, il faut déjà avoir une religion. Donc voilà. Ah là là, attends vite fait, moi ce que je voulais vous montrer, j'ai arrêté là. Non, c'est pas ça. Attends, là, je comprends plus les manettes à cette. Parce que la discussion là, du jeune qui est venu tout à l'heure, elle était très très intéressante. En gros,